Une épreuve automobile populaire, c'est bien le Grand Prix de Reims qui rassemble les plus grands as du volant. Cette année, nous assistons à un événement, la rentrée en course de la firme allemande Mercedes, avec trois bolides équipés de moteurs à injection. Aux essais, l'un des pilotes, l'argentin Fangio, a atteint la moyenne de 200 km/h. En plus de Mercedes, les grandes écuries automobiles sont prêtes au départ. Ferrari, Maserati, Gordini. Nous reconnaissons les meilleurs pilotes. Fangio, Kling, Hermann, Trintignant, Gonzalez, Frère, Hawthorne. Et c'est le départ. Dès le premier tour, les trois Mercedes luisantes au soleil prennent la tête. Cependant, Gonzalez et Frère accrochent. Les passages succèdent aux passages. Les Mercedes mènent un train d'enfer. On note un passage d'Hermann à 195 km/h.